Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, Eliora a demandé à ce que ce soit son papa qui l'emmène à l'école. Du coup, j'étais un petit peu dans le speed, je l'avoue. Donc du coup, ça m'a arrangé pas mal. Même si j'étais prête. Hein. Mais je vais vous les montrer quand ils seront en bas, tout simplement. Pour que vous puissiez vous faire un coucou, mon amour. Coucou mes amours. Passe une belle journée à l'école. Moi aussi je t'aime. Mon petit cœur. Elle part avec sa casquette. Elle est au top. Ils sont trop mignons. Elle doit avoir un peu froid, elle a un peu de vent. Elle aura bien chaud cet après. Enfin du coup ce matin avec Loïs on a beaucoup d'administratifs familiales à faire. Parce qu'on a comme il a changé de boulot, on change de mutuelle. Et comme on change de mutuelle, je pouvais pas m'inscrire à la maternité. Donc là je flippe un peu. Ce matin il faut qu'on règle tout pour que je puisse faire mon inscription à la maternité. Et que j'ai une maternité. J'espère que j'ai de la place dans, que j'ai toujours de la place dans la maternité que j'ai choisie. Parce que sinon ça, je vais pas être contente. Bah, sinon il va falloir trouver une autre maternité qui nous plaît. Qui ne va pas nous demander non plus 100 millions de dollars. Parce que déjà les maternités privées ça coûte cher. Les cliniques privées ça coûte cher et à Paris elle coûte très cher, ça va du simple au double. Celle où j'ai accouché des Lurages, j'y serais bien retournée mais elle a fermé, voilà. Donc voilà, moi je vous fais, donc du coup je vais me faire couler mon café, moi je vous fais rien du tout, je vous fais pas de café non plus. Ah là là, la nuit a été un peu étrange, hein, ça se voit d'ailleurs à la Cernas. Ah, il faut que je vous montre, j'ai retrouvé l'eau micellaire que je me suis achetée, attendez. Bon, entre temps j'ai eu un café à couler et l'eau micellaire que je me suis acheté c'est celle-ci, l'eau micellaire tarte. Je vais pouvoir la tester ce matin parce que hier soir je suis allée m'allonger, j'étais au bout de ma vie, j'ai complètement zappé. Mais j'étais pas maquillée, hein. J'étais juste, j'ai complètement zappé. Donc, elle est comme ça et elle avait l'air vraiment bien. Et ce que j'aime bien c'est qu'elle a la petite pompe comme ça, comme sur les trucs pour les enfants. C'est vraiment hyper facile, donc c'est un démaquillant et nettoyant visage. Et la marque Tarte, je l'ai jamais testée les gars, alors que je sais pas pourquoi je l'adore. Parce que c'est des produits naturels dedans. C'est pour ça. Enfin voilà, je vais la tester ce matin. Quand j'aurai bu mon café et que j'aurai meilleure mine, n'est-ce pas? Sinon je n'ai pas bonne mine. C'est normal. J'ai le visage encore endormi. Bon, vous savez pas la matinée qu'on a passée là. Entre les coups de fil administratifs, les documents administratifs à remplir, les machins. Donc on a tout géré. On n'a eu que des nouvelles. Je vous raconte pas. Moi j'ai appris que ma clinique, elle prenait pas la mutuelle. Qu'il allait falloir que j'avance tous les frais. Sinon, j'ai eu... je vous avais dit que je soignerais pas mes gencives, tout simplement parce que les 3 premiers mois, on peut pas faire d'anesthésie, et les 3 derniers mois, on peut pas faire d'anesthésie. Et que je me sentais pas de gérer la douleur pour une gingivite avec... sans anesthésie. Donc j'ai quand même appelé ce matin, elle m'a dit, là vous êtes dans votre 5e mois, donc on peut faire une anesthésie. Oui. Donc du coup... j'ai rendez-vous jeudi. Je sais pas trop ce que ça va donner. J'avoue, j'appréhende. Donc j'y vais jeudi. Je vais voir si j'y vais pas accompagner parce que... Je vais essayer d'y aller accompagner. Je vais voir avec ma mère si elle peut se libérer jeudi ou pas. Voilà. Là maintenant, donc matinée, mais administratif, laissez tomber, il est 13h. Même plus. Presque 13h30. Demain matin, j'ai donc le fameux ami de la famille là, qui est plombier. Qui vient voir s'il peut faire quelque chose. Mon proprio il est d'accord même pour que je refasse toute la salle de bain tant que ça m'effraie. J'ai envie de vous dire. Donc le truc c'est que je vais voir avec lui s'il est d'accord pour... enfin s'il peut faire, parce que lui il est à la retraite, hein, clairement s'il peut me faire ce service. Je paierai tout ce qu'il faut évidemment, hein, on sait très bien. Et s'il peut me faire ça, s'il a envie, enfin voilà, il m'a dit écoute, je viens voir et je te dis si je le fais, si je le fais pas, bah je te conseillerai quelqu'un. Voilà. Ou sinon, je lui ai dit mais tu sais, si tu considères que Loïs il peut le faire, faut que tu l'apprennes, c'est tout. Voilà, voilà. Voilà un peu pour toutes les histoires. J'ai également terminé le montage du vlog, il est en train de charger. Là, je vais nous préparer un déj et je voulais aller voir un truc avant parce qu'il m'a dit de vérifier que le robinet d'arrivée d'eau fonctionnait et que je pouvais couper l'arrivée d'eau dans ma salle de bain. Donc, je vais regarder ça. Bon, et bien, la cuisine s'est arrêtée de courte durée.
puisque depuis, enfin hier ça m'a fait pareil, après de marcher, mais en fait quand je me lève, j'ai des vertiges, le souffle court et tout ça, donc là je pense que je fatigue après 2 jours à faire beaucoup de choses. Je pensais bouger cet après-midi, faire des trucs, mais je vais rester dans mon canapé, ça va être sympa. Oui d'ailleurs, c'est en fait quand je vois mes yeux là, je me dis effectivement que j'ai l'air bien fatiguée. Est-ce que c'est le fait que je me mette à déjeuner tard? C'est vrai que non, hein, je déjeune plus vers midi. Là il est 13h45, du coup on s'est commandé des trucs. Louis, il a pas la foi de faire à manger, et moi en fait c'est pas ça, c'est les specs que je passe et j'arrive pas à rester debout, ça me tire, ça me fait mal, je suis essoufflée. Même là je sais qu'à la fin quand j'aurai fini de parler, je vais faire comme ça. Bon, c'est peut-être. Pourtant il fait bon, il fait pas chaud, alors peut-être que je supporte mieux le chaud que le tiède, je sais pas. Enfin voilà. Bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé mes robinets d'arrivée d'eau. Donc il y en a deux, donc je pense qu'il y en a un pour le lavabo, un pour la baignoire, je ne sais pas. Je viens d'empaqueter le bras de Loïs pour qu'il puisse aller prendre sa douche, parce que je vous dis, il a amené Lyra à l'école et on a commencé à faire tout l'admin. Bon, ça va, on n'avait pas de retard non plus, enfin moi un peu sur un truc, mais rien de dramatique, on n'avait pas de retard. Maintenant ça prend du temps et c'est chiant. Là apparemment ma commande, je me suis commandé une salade, apparemment ma salade va arriver tout de suite. Bon bah très bien, je vais pouvoir manger maintenant. Loïs, j'ai pas d'infos sur sa commande. Oui, je vous dis, j'arrête pas de bailler. Peut-être qu'il faut que je fasse une pause, hein. Faut peut-être que je me repose. Pourtant je me sentais vraiment bien ce matin. Je me suis levée, j'ai fait mes trucs, je me suis occupée d'Elura, je lui ai fait son petit déj. Et là par contre c'est vrai, je me suis relevée pour préparer le déj et j'étais vraiment pas bien. Genre je me suis assise, j'ai dit Loïs viens parce que j'y arrive pas. Vertige. J'ai clairement pas envie de tomber, donc on se pose, on commande une salade, that's all. Voilà. Ça fait des mois, des années même que je veux, enfin que j'aimerais qu'on change de voiture. Et avant même qu'on achète celle qu'on a actuellement, celle que je voulais c'est la 3008, l'ancien modèle. Ouais, et le nouveau modèle est supra canon. Ouais. On vient de faire la simulation. Peugeot, si vous regardez. On vient de faire la simulation sur le site de Peugeot. De Peugeot. Bon, c'est un bon budget. C'est toujours moins cher que l'autre que je t'ai dit, là, la Volvo. Le VC60. Ah, donc on fait des économies en échange. Ouais, on fait des économies. Ah ouais. Disons que la Peugeot 3 minutes avec les équipements qu'on veut. La bagnole, c'est un appart dans toute la France. Mais... Pas la 3 minutes. Eh ben, elle fait la moitié du prix de la Volvo avec tous les équipements que je veux. Mais après la Volvo, il n'y a pas de... Elle ne perde pas, hein. Elle décote pas. Ouais, mais personne ne les achète, mais décote pas. Ah bah si, regarde Ulrich. Ulrich, si tu passes par là. Ulrich, il a acheté la Volvo. Mmh. Et elle est vraiment canon. Pour le coup, la Volvo, c'est niveau comme ça là-haut. Hein. Mais la 3 minutes, elle est super belle et elle a un petit côté de la Evoque que je voulais aussi. Enfin bref, j'aime les voitures familiales. Salut, bienvenue. C'est-à-dire que... On a eu l'habitude quand même de beaucoup rouler et quand... Roule plus bah oui, mais quand bébé sera là, on va rerouler. Oh. Ah bah si, mon amour. Oh, si, mon amour. T'as le permis? Bah, je pense que quand on aura la voiture, j'aurai le permis. Ouais. Comme ça, tu garderas l'ancienne. Ouais, et moi, je prendrai la nouvelle. Reprise, non, il n'y a pas de reprise, parce qu'il y a le crédit auto à rembourser. Il a pas un nouvel enfant, autre chose. Une nouvelle adulte? Non. Bon bah c'était quand même bien. Un nouveau travail. Et c'était quoi ce nouveau travail? On devait dévisser et revisser. On devait, pas on doivait, on devait. Moi je faisais pas ça. Je mettais tout sur le petit trou, je mettais le plus petit truc et je retirais et je visais fait et j'ai montré les badaboum. J'ai rien compris du tout. Bon bah je crois que les activités des vacances d'été lui plaisent. Ça te plaît? Ce matin elle voulait pas parce que c'est pas maman qui a préparé à manger ce midi. Bon c'était bon quand même. Il paraît que t'as aimé. En fait j'ai mangé que les nuggets. Oh bah oui nuggets tu peux. Et que les haricots verts. Bah donc c'est déjà bien. Parce qu'il y avait des lentilles que j'aimais pas. Oui t'as du mal avec les lentilles. Faudrait qu'on essaye de les manger autrement. En soupe peut-être. Ou en purée. Non. Bon vous voyez ma tête, ça va se passer de mots. Attention, fais attention mon cœur. Je sais pas du tout la forme.
Qu'est-ce que tu fais? Ah! Bon, du coup, je vous disais, moi, mais apparemment, c'est pas le cas d'Eliora. Moi, c'est pas la forme, mais bon, c'est un peu. J'ai simplement besoin de repos parce que j'ai fait beaucoup de choses ces derniers temps. Donc aujourd'hui et demain, on va faire doucement. Sachant que j'ai quand même beaucoup de choses à faire à la maison. Mais bon, c'est pas grave, je vais faire doucement. Et puis là, on va se détendre avec Eliora. Voilà. Bon, il faut faire le dîner quand même, hein, malgré ma sale tête. Bon, déjà, il y a eu grosse session câlin. Attendez. Grosse session câlin avec Eliora. Ouf, ça fait pas du bien là ce soir. Et du coup il est super tard, hein. Il est presque 20h, mais bon, je vais faire un truc facile, hein. Genre je vais faire des saucisses à la poêle avec une salade et tout le monde sera content. Voilà, c'est parti pour le dîner. Bon, je vous reprends là depuis mon lit, pas du tout en forme, j'ai dû complètement me reposer parce que ça va pas du tout, j'ai des contractions. Bon, pas beaucoup, mais suffisamment pour me fatiguer de dingue et me forcer au repos. Hier, en fait, j'étais déjà très fatiguée et j'étais tellement fatiguée que j'avais envie de vomir. Donc, quand on est rentré de chez ma maman, je suis allée me coucher directement, clairement. J'ai mis la petite au lit et je suis allée me coucher directement. Et ce matin, quand je me suis réveillée, je me suis tournée sur le côté et j'avais mal au ventre. J'étais pas bien, mais bon, pas plus fatiguée que ça. Dans la matinée, ça allait. Et quand je me suis... J'ai beaucoup travaillé assise sur l'ordi. Et quand je me suis levée pour aller préparer le déjeuner, je me suis sentie super mal. Vertige, mal au ventre, contraction, impossible de rester debout et tout ça. Donc là, à ce moment-là, avec Loïs, on a dit stop. Je suis allée m'allonger. Enfin, on a mangé à table et je suis allée m'allonger après. Ensuite, Louis est parti en rendez-vous extérieur. Il est rentré assez tard ce soir. Et je vais aller chercher Eliora, je m'en suis occupée. Bon, après, on a fait des gros câlins parce que j'avais besoin de pas trop bouger. J'avais besoin de ne pas bouger. Du coup, j'étais sur le canapé avec elle, j'avoue. Enfin, j'ai mis les dessins animés, ce qui est assez rare. Mais du coup, j'ai mis les dessins animés parce que je ne pouvais clairement pas jouer avec elle. Il fallait que je sois allongée, que je bouge pas. Du coup, on a fait des gros câlins. C'était super sympa aussi. Sauf qu'elle arrêtait pas d'appuyer fort avec sa tête sur mon ventre. Ça me faisait mal. Je lui demandais gentiment, mais c'est compliqué pour elle de comprendre. Et je lui en veux pas. Enfin bref, du coup là, temps calme, mais pas forcément. Qui m'a pas forcément aidé à me décontracter. Je pensais que Loïs allait rentrer et m'aider, mais en fait il était complètement bloqué en rendez-vous. Donc il a pas pu rentrer avant qu'Eliora soit au lit. Et du coup, il a fallu que je prépare à manger, que je lui donne à manger, que je la douche, que je la prépare pour aller se coucher et compagnie. Et là, dès qu'elle était au lit, Louis n'était pas encore rentré, je l'ai mise au lit et je suis allée m'allonger dans le lit. Parce que vous savez pas, j'ai mal. Et la petite, elle... Bon, après, voilà, ça, c'est ce qui est rassurant, c'est que la petite, elle bouge vraiment dans tous les sens. Elle donne des coups dans mon ventre, mais ça se voit, mon ventre, il fait des bons comme ça, tellement elle donne des coups forts. Donc ça me rassure un peu, mais là, je vais rester au lit. Je vais même pas essayer. Le week-end aura été trop fatigant pour moi. J'ai senti que ça tirait tout pas mal. Et je sais pas, je trouvais qu'il faisait moins chaud. Mais par contre, je l'ai moins bien vécu. Alors, ça, je ne sais pas. Du coup, je vais clôturer le vlog comme ça. Là, j'ai même pas été prendre mon appareil de vlog ou quoi que ce soit. C'est avec mon téléphone, c'est pour ça que ça bouge. J'essaierai de stabiliser l'image. Mais oui, c'est pas simple. Je voulais quand même vous rassurer, hein. Je pense pas qu'il y ait grand chose de grave, sinon voilà, si je me sens vraiment pas bien, j'appellerai le médecin, quoi, j'irai consulter direct. Là, c'est surtout de la fatigue. Et encore une fois, je vous dis, la petite, elle gigote dans tous les sens, c'est très très bien. Ça va très bien à ce niveau-là, je pense que c'est moi physiquement qui arrive plus, tout simplement. Donc voilà, j'arrive pas à rester debout, là ça devient douloureux. Donc je me repose, j'ai besoin d'un peu de repos, autant que je me repose maintenant et que je puisse profiter de mes vacances. Donc je vais y aller doucement, tout simplement. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Bye bye !